Mais c'est un fait avéré. Allez, ça se bagarre, défoncez-le, les Vikings, montrez-leur qui sont les... Là, j'ai failli partir en couille. Là, j'ai failli partir en couille, je l'admets. Là, je me suis retenu. Allez, Eric, allez, il va. Ah, c'est bien, t'es champion, t'es champion, ça. Ça commence. Et putain, on se fait défoncer déjà. Oh, les deux sont au sol. Les Vikings. Mettez-leur leur tête sous votre bras. Putain, on se fait défoncer. Wake up, guys. Allez. Les Pretty Dead Dead. Pretty Deadly. Parce que dans Deadly, il y a quoi? Il y a Dead. Ouais. Est-ce que c'est ce qu'ils vont faire ce soir? J'avoue que pour l'instant... C'est SummerSlam à Détroit. Pour l'instant, on se fait défoncer. Ah oui, on est à Détroit, c'est vrai. À Detroit. Detroit, yeah, vas-y ça, vas-y Eric. C'est Eric ou Ivar le chevelu, je sais jamais. Bah, je sais pas, tu les connais pas, de combattants. Non, non, mais moi, je les appelle les Vikings. Quand on se croise, salut mon Viking. Ils sont pas dans mon roster, je les connais pas. Et là, tu dis salut mon Viking. Chat. Ivar, Ivar le chevelu, je le savais, Mr. Smith. Ivar le chevelu. Ivar et Eric et le chauve. Eric le chauve et Ivar le chevelu. Bien joué, Ivar. Alors montre que moi, lui. Je me souviens très bien des, du. Pas du tout, pas du tout. Si. Moi, je sais, moi. Le blond, c'est Jean-Marc Généreux. Et c'est l'autre. Mais non, c'est Kit et. Kit Wilson et Pretty Deadly. Non, et je sais plus quoi. Putain, je sais plus l'autre. Kit et Kat. Kit. Mais non. C'est Kit Wilson et. Et. Non, c'est pas Brandon. Brenda. Et, Kit et. Oh, défoncez-le! Ah, il aime ça. Hein. Kit Wilson Elton, et. Elton Prince. Ah oui, Prince. Prince Elton. Elton Prince. Ouais, Elton Prince et Kit Wilson. Il aurait dû s'appeler Princess plutôt. Regardez-les, les Vikings qui leur montrent un peu qu'est-ce que c'est. La vérité. Ah, ah, il les imite. Et il y retourne, Eric. Oh non, qu'est-ce qu'ils font? Non! Il y retourne, Eric. Et il va. Oh putain. Et il lui tire les cheveux, mais il a pas de cheveux. Faux. Oh, raté. Mensonge. Je t'ai vu faire sa, faire sa petite célébration. Soulève-le! Bravo, Ivar! Ivar et Eric, c'est la honte. Oh mon dieu. Les Pretty Deadly. Ivar, Ivar, il passe, c'est ses coups. Oh oui, mets-le dessus. Bien joué. Oh oui, tiens-lui les cheveux. Gaffe, peut-être qu'il aime bien ça aussi. Soulève-le. Vous avez parié pour Pretty Deadly? Oh, mais 94% pour Pretty Deadly, vous êtes fous en fait. Encore heureux, encore heureux. Vous vous rendez pas compte qu'on est les Vikings. Ils arrivent et arrachent tout sur leur passage. Eric, c'est le mari de Valhalla. Pretty Deadly. Okay. Pretty Deadly. On va vous renvoyer chez vous. Pretty Deadly. Ah, ils sont foutus parce que regarde, on a repassé en tornado tag, hein, vous l'aurez vu les gars. On n'est pas en tag normal, on est en tornado, comme ça, ça se fracasse de tous les côtés. Comme ça, ça se fracasse de tous les côtés. Comme ça, ça se fracasse vraiment de tous les côtés, là, regarde. Ça se lance. Hi, plein de tête. Allez, bien joué ça. Non, c'est le manga, hein, tu sais. Non, il va regardez, il l'a... Hein, il va avec qui? Ivar Eric. Eric. Ah, attends là, attention parce que ah, Ivar est pas bien. Ivar Eric est dehors. Ivar est dehors. Et le, tom- Ivar, le tombé qui est tenté direct. Pas du tout. Pas du tout, il est encore bien en forme, Eric. Oh, il... Oh, il l'envoie sur l'arbitre. Il l'envoie c'est bien sur l'arbitre. Il va le l'arbitre soulever. Qui va encore faire toute la soirée. Hein. C'est que le premier combat d'une longue série. Le pauvre. On sait qu'il aime faire ça. C'est qui votre tag team préféré, les gars, dans le chat? Of all time? Of all time. Non, ou dans quoi là, à l'heure actuelle? À l'heure actuelle?
À l'heure actuelle, il n'y en a pas beaucoup. Mm. En vrai, Josh Monday. Rien, hein. Oh non. Tic et tac. Non, moi c'est des Pretty Deadly. Moi, c'est vraiment les Pretty Deadly. Et c'est passé quoi? T'as vu comment ça a duré longtemps, le 1-2, là? Oh, qui a eu les... Parce que je t'ai pas dit, mais je suis l'arbitre. Non, mais ça a duré hyper longtemps. On est d'accord? Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Non, en vrai, en ce moment, ouais, non. Waller et Théorie. Hardy Boys. Parce qu'en ce moment, il y a personne. C'est vrai qu'Hardy Boys, c'était quelque chose, quand même, à l'époque. Ici, il y a les Pretty Deadly. Pretty Deadly. Son Pretty Deadly. Il est là pour tout arracher. Danse la salsa. Freddy Mercury et David Bowie, je comprends pour aussi. La gava, c'est d'accord. C'est Mercico. Ouf. Moi, c'est Paga et Bébé. Moi, c'est les Ousso, mais compliqué en ce moment. Ouais. En tout cas, merci encore à Hades, Mama et Zeflo pour les tips envoyés tout à l'heure. Sachez que vous pouvez tourner la roue avec 10 points, avec 10 balles de donation, avec 1000 bits ou avec 5 subs offerts. Je vous conseille bien sûr la donation plutôt. Jouer. Et le tombé de Elton Prince. Non, relève-toi. Et ça va être fini déjà. Voilà, les Pretty Deadly qui ont écrasé. Il a tenu la corde encore. Non, il a pas tenu. Il a pas tenu. Regarde. Mais il a pas tenu. Qu'est-ce que tu racontes? Il a encore tenu la corde. Chiki, chiki, aïe, aïe, aïe. Non. Je demande la VAR. VAR. Ivar, la VAR. Mais il a rien tenu. Mais qu'est-ce que tu racontes? La vie de ma mère. Regarde bien. Mais il a pas eu de bras. Il s'est pas levé son bras. Écoute-moi, la vie. Il a un problème des bras. Là, putain, il l'avait. Ah, entre 2 et 3, il a mis la main dessus. Mais n'importe quoi. Mais bien sûr elle si. Tremblait la corde, il a pas réussi à la choper. Les Pretty Deadly. Là, on a vu son doigt. On a vu son regard. La main est là. La main est là à 2 et après elle est sur la corde, on vient de se faire avoir. Mais regarde l'arbitre, regarde ce débile d'arbitre, il regarde pas là. Regarde-le. YouTube, bien sûr, parce que tout ça vous pouvez retrouver sur YouTube pour l'exclamation YT, tout ça bien sûr vous avez la ref. On a décidé d'unifier les ceintures. La ceinture SmackDown, la ceinture Raw qui ne fait qu'une, pour la ceinture Undisputed chez les femmes. Et donc c'est aujourd'hui Bianca Belair, Charlotte Flair qui s'affrontent pour cette ceinture. Ma championne Bianca Belair, vas-y ma championne, contre celle de d'Aaron Charlotte Flair. Vas-y ma championne. Bianca Belair. Ah, c'est bon, t'as juste coupé sur le pitch de jeu. Let's go, ma queen! Qu'est-ce que t'as dit? T'as juste pris une personne petite et du jeu. T'as pris Réa Ripley dès le début, genre. C'est toi qui as choisi en premier, donc parle pas. C'est pas la plus forte, c'est pas la plus forte. Elle s'est fait défoncer par Charlotte Flair, la honte. Pas la plus forte. Bianca Belair, qui est sur un règne exemplaire. Allez, à tout à l'heure, bébé. Jamais de la vie! Viens, elle ne monte pas, je vois pas. La ceinture. Si, elle l'aura. La ceinture! Arrête avec eux là, c'est bon, c'est fini. Ok, c'était tout à l'heure, laisse-les où ils sont maintenant. Merci Thomas pour le follow il y a 4 minutes. Merci mon Thomas. Thomas 6141. C'est parti, allez, messieurs. It's time. La bagarre. It's now or never. Oh. Allez, bien joué, ça commence. Bien joué, Charlotte. Brise-lui la jambe. Allez, brise-lui tous ses lèvres. Brise-lui la jambe. Brise-lui ses dents. Tiens-lui les cheveux. Hop là. Et ça dégage. Allez, son EST là. Hein, son EST là. Elle arrive. Oh, en 4K, on l'a eu. En 4K. Réveille-toi Bianca, wake up, lève-toi. Ah, c'est donc ça la championne de Raw. Ah, t'as le coup. Putain. Ça fait simplement deux. Allez, slap lui le ouais, torse. C'est facile, regardez les cuisseaux de Bianca Belair. Bon, si elle te met sur le dos, elle te soulève. C'est plus des cuisses qu'elle a, Bianca. C'est des cuisses. Elle a peut-être des cuisses, mais elle a pas de cerveau, regarde. Waouh, pourquoi tu dis ça? D'où t'as dit Fais attention, tu quand vois. Même. Quoi? Fais attention. Quoi? J'ai entendu ce que t'as dit dans ta tête. Quoi? Attention, Bianca Belair. J'ai entendu dans ta tête. This is just establishing dominance, followed by a stop. Charlotte qui est en difficulté, Charlotte Flair qui est au sol. Ça y est, c'est fini. Oh, t'en peux tomber désespéré. Ah ouais. Ah, c'est vraiment
désespérée à ce point de la victoire, quoi. Mais c'est, elle veut juste se dépêcher parce qu'elle a autre chose à foutre. Ouais, okay. Elle a autre chose à faire après, c'est surtout ça. Elle a un coup dans. T'es sûr qu'elle a un coup? Fais bien attention à ce qu'elle va faire. Regarde, hop là, bien joué, c'est contre les jambes de fer. Non! Ah allez! Ah. Allez, là, mais étrangle-la avec sa queue là! Elle se prend, elle se croit. Mais à la conne! Elle va où? Elle va où, Charlotte? Elle est tellement bête cette meuf! Ah, peut-être qu'elle a fait Bianca. Pourquoi elle se. Oui, ça dégage! Ça va avec le camion! Le camion, la camionneuse! La coup de portière! Attends, aïe! Le side slam. Réveille-toi. Et c'est déjà fini, Charlotte Flair. Oh, dommage. Même pas deux, à peine un. Trop costaud. Il n'y aura même pas de. Même pas de quoi? Même pas de d'adversité, quoi. Ça va être une victoire simple, efficace. Ouais, tu vas voir. Magnifique. Avec c'est Bianca, à soi qu'il y a du choix, SmackDown, parce que dès qu'elle affronte du niveau, Bianca elle est perdue. Ah, on voit sa faiblesse là. Dès qu'il y a un peu de niveau, elle est plus là. Hein. Ah non. Elle te fait mentir. Tu te prends pour qui? Allez, va dans le coin. Bitch. Allez. Oui. Allez. C'est fait, elle s'attaque aux jambes. Allez, aux jambes fébriles. Ah, tire ça, voilà. Allez, elle sait pas se battre normalement. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Bianca a décidé de sortir les feux. C'est fini. Elle tente de tomber. Non, c'est fini, monsieur l'arbitre, ridicule. Dommage. Ridicule. Mais on a atteint les deux. On a atteint le deux, chose qu'on n'avait jamais atteint depuis le début de ce combat. Ouais, simplement ridicule. Elle va se mettre dans le beaucoup coin. Beaucoup trop loin. Ça va attention, être contré, elle lui demande de se relever. Je vous dis déjà, ça va être contré. Beaucoup trop loin. Ok. C'est fort ce qu'elle fait. Et ouais, bah elle a voulu se. Ah, c'est contré, magnifique. Non. Magnifique. Ah. Allez, Charlotte, c'est le moment. It's time. Bianca, avec toi. Now or never. C'est contré, ça, j'ai l'impression, non? Non? Si, c'est... Non? Ah, il s'est fait mal, ça! C'est le coup du pied! Lève-toi, retourne dans... C'est parti, elle va lui mettre son fessier dans la gueule! Ah, je sais pas, c'est pas son coup. Et son coup de coude dans la gueule! Bianca, réveille-toi, wake up! Bianca, qu'est-ce que tu fais? Non, c'était pas ça le script! Dans les cordes, elle va le faire rebondir! Une c'est pas où elle est? Elle a raté le script, c'était pas ça! Ah, à droite! Dans le script là, elle vient de modifier le script pour gagner là, c'est ça? J'ai l'impression. Elle a modifié. Elle veut prendre l'avantage. C'est une dinguerie de faire ça! Elle va contrer par Charlotte Flair! Mais c'est dans le script aussi! Qui va reprendre l'avantage! Ah. Allez! Prends ta gifle! Prends ta gifle, Bianca! Ça va être un tombé déjà à 3! 1, 2, 3! Dommage! C'est vrai qu'elle allait prendre la corde, mais que l'autre con allait pas le voir encore. Allez, tu crois qu'on gagne que comme ça ou quoi? Oui. Non. Bah vraiment, ouais. Il faut y aller des comptes extérieurs. C'est soit par triche, soit par des comptes extérieurs, ou soit un arbitre scrupuleux. Un arbitre scrupuleux, pardon. Non, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs manières de gagner un SmackDown. Ouais, pas beaucoup quand même. Non, les armes, ou la soumission, Bianca. Ou la soumission Bianca, peut-être c'est... aussi. Tu sais faire le pont. Voilà, la droite. Le pont, quel pont? Bien joué. De quel pont tu parles? Celui-ci. Parce que là, elle va être contrée. Arrête elle va de encore faire essayer ça. De l'emmener loin et elle va être contrée. Et oui. Mais oui, elle te contre à chaque fois. Sois pas conne, Bianca, merde. Bien joué, Charlotte. Allez. Ça va l'emmener dans les cordes. Ça va l'esquiver une fois. Ça va l'esquiver deux fois. Ça t'est parti. Et ça va la prendre par le spear. Oh. Magnifique. Bianca, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais, Bianca? Oui, bien joué. C'est contré, je crois. Mais non. Ah non, c'est le genou. Le contre a été qui a attaqué. Oui, non, attention. Oh putain. Ça se tarait, prends ta gifle. Attention, parce que là, elle vient de l'humilier, elle va pas être contente, Bianca. Allez, encore la jambe, la soumission. Et allez, non, Charlotte, non, qui va faire taper Bianca Belair pour la première fois de sa vie, pour la deuxième fois de sa vie, pour la troisième fois de sa vie. Il sait pas. Réveille-toi, Bianca, s'il te plaît. C'est pas de soucis. Allez, ça attaque encore la jambe. Ça focus les jambes. Parce que si on n'a plus de jambes, on peut plus se déplacer. Si on peut plus se déplacer, on va battre la jambe. Allez, va la chercher. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Hop là. Là, voilà. Allez, contre-moi ça, ça pue dessus. Ah, la descente du point. Ah, putain, c'est pas ce qu'on a dit. Allez, encore les jambes, toujours les jambes. Pour pas se passer, on peut pas battre Charlotte Flair. Tu vas encore plus que t'as dit. Vas-y, pas grave, vas-y, battre Charlotte Flair aussi. Voilà. Allez. La
Lâche mon cou. En tout cas, c'est une domination totale de la championne de SmackDown. Ça fait, ça fait 2-3 minutes où elle en peut-être difficulté. Besoin d'une petite aide, parce que là, elle va taper une fois, elle va taper deux fois, elle va taper trois fois. Allez, réveille-toi. Mais non. Oui, bien joué. Allez, montre-lui quitter. Ah, mais c'est pas possible. Le spear encore une fois de Charlotte qui va tenter de tomber. Attends, si elle fait le tomber, c'est comme cool, Roman Reigns. Oh non, c'est non, comme Roman Reigns. C'est comme Roman Reigns. Et la victoire de Charlotte Flair. Oh dommage. I'm so stressful. Quelle domination. I'm so stressful for this game. Quelle domination. Bianca, réveille-toi. C'est contré par Bianca. Attention, Charlotte, attention. Oui. Ah, le EST ou je sais pas quoi qui va être fait là. Vas-y, tombe là, c'est KO, il en faut qu'une ici. Ah, faut this. Encore, relève-la. Remets-lui ce que tu veux. Attends, allez, contre. Allez, Charlotte. Allez, contre Charlotte. Allez, Bianca, on peut se réveiller maintenant. C'est un peu long, Bianca, c'est un peu long. Qu'est-ce qu'elle fait? Wow, it's amazing what we see today. Bianca Belair qui a décidé de se relever. Oui! Qui fait ça? Nous, on fait les bruitages. On met pas le nom des prises, on fait les bruitages. Oh, elle reprend encore par derrière. La souplex, non? Ah ouais, là c'est costaud par contre. Encore! C'est contré. Non, j'ai l'impression que c'est contré. Non, pas du tout. Non, le powerbomb. Oh, vas-y, Bianca. Powerbomb de Bianca qui enchaîne, kick. Vas-y, finish. Charlotte, ça commence à me faire peur. Fais le décompte. Légal, il dit. Vas-y. Monsieur l'arbitre, c'est fini. Prends ton temps. Ah. Attention, le mode pied dépasse, monsieur l'arbitre. Putain. C'est un power slam. Ah, ça y est. Là, ça peut être la fin. Oulala. Ça peut être la fin, mais ça peut être contré aussi. Charlotte, s'il te plaît. Fais le tomber, ça y est. La championne reste championne. Bianca Belair. Vamos. Elle est cheatée. Partir en triple threat face à Austin Theory. Mais au final, enculé, les a rejoints, le perso créé par Proxy du coup, et qui transforme ce match en Fatal 4-Way pour la ceinture du... Là. On va voir ce que ça donne. 2 de SmackDown, 2 de Raw pour cette ceinture tant convoitée. Austin Theory va-t-il réussir à la garder? Ça va être dur quand même. Hein. J'ai pas fait de prédit, merde. Ouais, tant pis. Mais ça va être dur à la garder, je pense. Ouais, c'est vrai. Mais je vais mettre SmackDown ou Raw, comme ça limite. On va faire. Les gars, je vous mets qui l'emporte, SmackDown ou Raw? SmackDown, c'est donc R2, c'est Bad Bunny. Et sinon, moi, c'est Austin Theory et enculé. Booker T. Qu'est-ce qu'il lui fait? Ouah, mais c'est fou, Bad Bunny, ce qu'il fait. Il fait tourner les serviettes. Ok, vraiment trop fort. Je sais pas, Proxy. Hein. C'est ton gars là, Il peut gagner la ceinture de Twitch là. Je sais pas si tu te rends compte là de ce qu'il est en train de vivre potentiellement. Un rêve éveillé. Ou alors il va se faire défoncer, je ne sais pas. Oh là là, il a failli aller dans les tribunes sur les enfants. Enculé. Qu'est-ce qu'il met, Bad Bunny? Elle trouve s'il est là tranquille, il dort. Il kiffe sa life. Qu'est-ce qu'il fait? Mais quelqu'un l'a pris dans les tribunes? Bah, il a bugué? Oh non, enculé! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Oh, les deux joueurs! Qui va le tort! Mais non! C'est le jeu! Ils sont dans les tribunes! C'est le jeu! Mais comment ils vont faire le tomber? C'est incroyable! Mais comment vont-ils faire pour faire le tomber? Ils peuvent pas revenir! Mais s'ils peuvent revenir, c'est moi à droite. Si, moi à droite, ils peuvent revenir. Mais ils vont jamais le faire parce que là, c'est un bug, ils sont pas censés être là. Mais si, mon ils se frappent avec des enfants. Oh là là, dans le public, mais quel show! Quel show! Oh là là! Oh, hop là! Enculé qui saute sur des enfants. Oh, c'est dit comme ça. Mais non, regarde, ils sont juste là. Ils profitent. Non, regarde, il fait le show dans le public. Ah, il prend. Vous, les baby-seps, les gars.
Enculé, enculé. C'est bizarre que ce soit lui qui soit là en plus. Non mais ils reviendront jamais, je te le dis. Mais si. Ils reviendront pas, je te le dis. C'est qui envoie les cartes? C'est moi, Mohamed, attends. J'envoie ça. On est quasiment sûr qu'un catcheur de SmackDown remporte le titre Twitch. Bah c'est gros, c'est le jeu, fallait pas qu'ils aillent dehors. Ouais, mais c'est pas ma faute. C'est pas comme si on l'avait décidé, quoi. Il y a une entrée en bas à droite. Ah oui, il faut faire le tour. Et du coup, ils se battent plus, regarde. Je sais plus où je suis là. Attends, on descend là. T'es en bas à gauche. Ah, je suis là-bas. Vite, attends, peut-être d'ici, je peux. Non, elle est à droite, apparemment. Là-bas, là, regarde. À droite. Ah oui, là. J'y vais. C'est bloqué, non, c'est bloqué. Ah bon? J'y suis, c'est bloqué. Non, mais ouais, mais je crois que c'est vraiment en full bug. Attends, on va peut-être essayer de se. Non, mais c'est bon, là, les deux, ils vont aller sur le ring, ils vont finir. C'est bon, regarde là, hop. Ça va finir. Et où là, je te vois plus. Ah, bâtard. Putain, tu de l'ombre. Oh, bâtard. Attends, mais essaie de me faire une prise pour m'envoyer. Attends, faut se mettre là. Mais attends. Aïe. Aïe, bâtard. Air-trousse. Air-trousse pour la victoire. Air-trousse pour la victoire. Vas-y, laisse-toi faire. Non, mais arrête. S'il te plaît, laisse-toi faire. Okay. Non, mais s'il te plaît. Mais arrête. Mais laisse-toi faire. Ah, okay. Tu comprends pas ce que je veux faire. Si, j'ai compris. Laisse-toi faire. Attends. Ça fait peur ce que tu me dis. Non, merde. Ça marche pas, bref. attends, je vais en faire, t'inquiète, ça va marcher. T'abuses. T'inquiète, ça va marcher. C'est fini, y'a pas de bonus. For the championship. Et Bad Bunny. Et là. Oh là. C'est de l'arnaque. Je me suis fait voler. C'est ouf que tu gagnes tout le temps comme ça. La ceinture intercontinentale. John Cena. Ouais, il va aller la chercher celle-là. Ratou. Kevin Owens, c'est un beau combat. Ça va être intéressant de voir un peu ce qui se passe. Parce que Kevin Owens, c'est grosse bataille aujourd'hui. Vraiment, là, s'il le garde, il pourra dire qu'elle vaut quelque chose, sa ceinture. Waouh. Excuse-moi, Kevin Owens, tu te prends pour qui? Keep fighting. T'es bloqué dans les coins de John Cena pour l'instant. Je vais te refaire un John Cena. Allez, déjà, parle bien de mon John Cena. Mais ça tenue, mais non. Y'a personne pour faire ça. Ah, si. Après, il y en a sûrement des John Cena fait actuels. John Cena qui envoie Kevin Owens en dehors du ring. On va voir si John Cena a les épaules pour être champion intercontinental. Alors normalement oui, mais est-ce que vraiment est-ce qu'il y a des épaules ou pas? Parle bien quand même. Allez, ça va encore comme ça. Ouais, le mec qui dit ça. John Cena, on dirait il a un skin golf. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. En effet, c'est les mêmes couleurs. Just keep fighting, nous dit Kevin Owens. Est-ce qu'il va rester sur le ring ou est-ce qu'il va aller dehors comme tout à l'heure les deux zigotos de chez moi? C'est drôle. Austin Theory, il s'est fait tellement voler son titre. Allez, ça redégage. Remis de boss. Merci pour le follow. Il reste combien de combats? 4, je crois. Ouais. Non. 4 plus le bonus. Après, on a Gunther. En gros, il y a... Attends. Non, pas là-dessus. En gros, il y a Gunther qui doit défendre son titre. On a Roman Reigns qui défend son titre. Et on a Randy Orton qui défend son titre. Et après, il y a la ceinture unifiée. The Champ of the Champ. Randy Orton hein, qui risque de perdre sa ceinture après avoir perdu quelques points de gêne. Je vais te niquer, c'est toi qui as fait un truc. En fait, en modifiant son perso, t'as dû modifier des trucs de ce qu'il avait gagné. Mais n'importe quoi, parce que je l'ai fait pour Roman et il est toujours à 99.
Non, non, je pense Youssef Dick. Mais non, n'importe quoi. Je te jure que c'est pas ça. I think you, c'est juste que tu l'as pas fait combattre depuis. I think you fuck me. Mais arrête, alors que moi, il a combattu dans la semaine pour le titre. Il arrêtait pas de combattre. Roman, il faisait que ça. Mais pas du tout. Moi, il a combattu pour le titre cette semaine. Toi, il a pas combattu. Non, toi, il a pas combattu. C'était une parodie de combat, le tien, ok? Jamais il a combattu. Ouais, mais du coup, il a gardé son gène. En plus, il a gagné. Alors que toi, il a pas combattu, voilà. Fucking merde. Ah, t'es revenu à 4 ans, c'est tout, mais ça arrive. Oh là là, se prendre un gros cul comme ça sur le fond. Alors qu'après ce combat, c'est le retour de QQ Keket. Insupportable QQ Keket, putain, Gunther. Gunther qui aime la Keket. Enfin, surtout le QQ, c'est vrai. Le QQ Keket, elle est dedans. Elle est dedans. John Cena, allez. Réveille-toi, John. Montre-lui qui c'est le patron. Montre-lui qui c'est qui a l'expérience du haut niveau. L'expérience de la Ligue des Champions. Attention, il voit les derrière. Non, qu'est-ce que tu fais? Ok, ça. On va encore le faire bugger en dehors. Ah, il s'est cogné la tête contre le truc. Ah non, non, pas le décompte extérieur. Ils sont en plein décompte, c'est con. Non. Oh non. Mais non. Là, c'est bon, ça reset là. Non, mais là, ça reset là. Ah oui, c'est vrai. Ah, quoi que. Ah non. Ah bah non, non. Mais non. Ah. Comment ça? Oh, qu'elle est belle. Comment ça, Froch? J'ai pas compris en soi. Allez, le champion États-Unis, messieurs. Gunther, qui n'a rien d'un américain, mais qui représente le champion US, affronte Bron Breakker, du coup. Après un petit fail sur le match précédent, malheureusement. Pretty Deadly, le pin avec la corde. Bug de la foule, Cena Owens, F3. Ah oui, avec Pretty Deadly, ouais, c'est vrai que le pin avec la corde. Mais après, tu peux l'amener. Le rope break, l'arbitre n'a pas vu. Allez. Là, Kevin Owens, ça fait semblant d'être blessé. Il a pas voulu affronter John Cena. Ça reste dans. Les gars, c'est dans le RP. Le vrai bug, c'est quand les deux autres étaient en tribune. Après, le reste, on fait genre. T'inquiète pas, ça servira pour l'histoire. Pour le coup, ça servira pour l'histoire. Le coup de John Cena, c'est pas plus mal. Ça aurait été trop facile qu'il l'emporte maintenant. Mais sachez qu'il va quand même aller le chercher. Il a envie. Il ira. Il ira le chercher, ça c'est sûr, il ira le chercher. Parce que les joueurs ont mis comme note de match qu'il a eu. Ah oui, bon après ça, si vous voulez en mettre, oui, des notes en effet. Ouais, faudrait que je mette des. T'as raison, faudrait que je mette des. Faudrait que je mette des magnettes, pas des magnettes, putain, des emojis, pas des emojis, des emotes. Des emotes en mode vote et tout. Moi j'aime bien aussi Jérémy, moi j'aime bien le coq. C'est parti, Bron Breakker, déjà la bête. La nouvelle bête de SmackDown. Mais après, si vous avez des étoiles en emoji ou quoi, n'hésitez pas à la fin de match, entre 1 et 5 étoiles, à voter, vous pouvez le faire. Vous pouvez voter. Vous pouvez le nombre d'étoiles que vous souhaitez, vous pouvez spammer ça à la fin d'un match à chaque fois. C'est pas une mauvaise idée. C'est l'heure des votes. Vraiment, Gunther, on n'en veut plus. IRL, c'est Breakker qui avait mis la fin au règne de champion NXT de Gunther à l'époque. Oh, il se retrouve sans le vouloir. Mais tu vois que j'ai suivi. T'as pas suivi, gros, tu savais même pas, c'est juste une putain de chat qui s'est passée. Mais un peu comme moi avec John Cena pour l'intercontinental. Ouais, mais il y a quand même une histoire parce qu'il est sur une scène 4 victoires. Moi aussi avec l'intercontinental de John Cena parce qu'au final t'as vu. Il y a aucune histoire, il sort de nulle part ton triple site. Non. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr. John Cena, il a toujours. Et John Cena a toujours voulu aller une chance pour l'intercontinental. Oh là là, magnifique Bron Breakker. Il a gagné. Et puis il se retrouve là. Et là, Kevin Owens ne veut pas lui laisser cette chance et il s'en va, il a peur. Amelik, c'est pas grave, on fait comme si. Quoi? Oh, les belles étoiles. On a que des vrais combats qui se terminent. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse une étoile en emote et puis après vous en mettez une, deux, trois, quatre ou cinq, quoi. Ça, faut que je mettrai ça. Je mettrai une belle étoile. C'est pas une buster de Bron Breakker qui est déjà à deux dans le décompte. Je mettrai une belle étoile, comme ça vous voterez 1 et 5. Ça serait un beau champion, ça serait un beau champion, Bron Breakker. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Gunther qui est en train de. Voilà, vous savez ce qu'il fait Gunther quand il fait des gros câlins comme ça. Hein. Après le QKKet. On connaît. Déjà. Bon, il a. Mais incroyable Gunther. Non, c'est contraire là. Mais Gunther il rigole pas du tout en fait. Il a mis trois coups, il a déjà son finish, on est où là? Il y a un étron pour les matchs de merde. On peut mettre un beau caca. Ou un gros nul, un gros zéro. Ouais, faut que je fasse ça. Attends, je vais me le noter parce que je vais oublier. Oh, bien joué, Bron Breakker! Le tombé qui surprend Gunther! Non, même pas un, vas-y, encore, prends plus ton temps, l'arbitre. Prends encore plus ton temps, l'arbitre. Allez, super, l'arbitre qui gêne.
Continue l'arbitre, hein. Continue de niquer le match de Bron Breakker. Hein. Continue. Hein. Allez. Ah, dommage. Dommage, Bron. Ah, du coup, ça a te baiser, ça, non? Ah non, bien joué. Oh, comment il le porte! Oh, regardez comment il porte Gunther! Oh, incroyable! Il le soulève! Oh, magnifique power bomb! C'est vérifié. Ok, pas mal, Amlik. J'aime l'idée. Vous avez des idées d'emotes là pour interagir avec ce qu'on fait dans les jeux, nous, maintenant? Parce que j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas remis les emotes en place. Allez, il lui demande de se relever pour les aller étoiles, chercher à l'extérieur. Les étoiles, c'est bien. Le truc des cartes, c'est pas mal, mais il faudrait que cartes légendaires. Mais magnifique. Non, mais Bron Breakker, incroyable. Sur un truc de cartes légendaires ou quoi? Gunther. Parce que là, les emotes, ça fait un bail que j'ai pas retouché. Bron Breakker. Bron Breakker. Un gros 2. Quoi, un gros 2? Ah, pour simplement 2? Ah oui, je vois. Il a même pas encore goûté. Il a même pas encore goûté au cuckoo kékette. Ah non. Ça, Gunther, le cuckoo kékette, il sait le faire. Ah putain. L'intelligence de Gunther qui le ramène sur le ring avant de faire son finish. Ah lui, au moins, il retourne sur le ring. Magnifique, Bron. Oh, il tente de tomber direct, mais bon, bah, ça va être compliqué là. Juste 1, 2. C'est quand même 2. C'est quand même 2, ce qui veut dire que ça travaille au corps. Ah, mais attention, parce que Gunther a un finish. Là, je vois plus. Gunther a un finish. Qu'est-ce qui se passe? Spine Buster peut-être? Non, non, je sais pas non, ce que non, c'est. C'était un salto arrière double vrier au-dessus de l'épaule. Allez. Magnifique. Simplement 2. Bron Breakker, attention, le contre de Gunther. Ah. Ah, là, par contre, il y a Rob Breck. Directement, Rob Breck. Ah, ouais, hein. Attention, Rob Breck. Rob Breck. Là, ça passe là tout de suite, hein. L'arbitre, il le voit. Rob Breck. Gros, sur les derniers matchs, là, les gros matchs, faudrait peut-être mettre en lent. On n'y a pas pensé. Ouais. Bah, les finishes et tout, non? Je sais pas. Ouais, remarque, c'est plutôt bien équilibré, ça. Gunther. Allez, Bron. T'as eu la mallette dans les cartes. Petite carte. Tu peux avoir des grosses cartes, genre 5 étoiles et tout, légendaires. Des vraies cartes légendaires. Allez là, ça serait bien que ça soit pas toujours les persos cités qui gagnent. S'il vous plaît. Moi, c'est pas tout le temps le cas en vrai. S'il vous plaît, si, c'est tout le temps le cas. Non. Regardez Bianca. Et Bernard. Non, mais tu parles de la seule Bianca. Tu dis ça, mais t'as Roman Reigns. Ça rend fou de faire ça. Bron, sortons de là, Bron. Ah, il est sous les trames de Gunther. Ça va être compliqué d'en sortir. Oh non, il a tapé. Oh, Gunther par soumission, messieurs. Aïe. Il est toujours champion. Je baisse le Putain, sa célébration, couilles, bien sûr, mais Gunther. Gunther est champion US, encore lui. Et bah dis donc. Pourquoi je l'ai pris? Bah, en tout cas, il reste. Hein. Mais en même temps, là, t'as mis Bron Breakker face à lui. Il a rien pu faire. Ah, il a mérité en même temps. C'est pas aïe. Oula. C'était de l'eau. Prépare le show. Messieurs, c'est l'heure. Le combat du titre ici chez nous. Randy Orton qui défend sa ceinture de World Champion face à Seth Rollins qui est en ce moment fort. Il a défoncé The Rock, mais en 2 secondes. Seth Rollins a l'air motivé, comme jamais, pour aller chercher cette ceinture. Comme jamais. Avec le but en plus, hein, n'oublions pas, d'aller affronter peut-être Roman Reigns. Et lui, il sait qu'il a envie de mon truc, il est là. Oui, bah, je préfère à la limite que ce soit Randy. J'avoue, Seth Rollins, il est chaud, là, je vois ce qu'il a. Merci, Mister... Comment dit ton pseudo? Mister Oui. Merci pour le follow. Charlie, merci pour le follow également. Regarde, elle lui va tellement pas sur les points. Bien sûr que si. Retiens-moi ça. 15 ans qu'il a pas de titre. Qu'est-ce qu'il faisait? Tu parles. Alors, retire ça de ton épaule. Ah là. Regarde la bien pour la dernière fois. C'est peut-être un des moments les plus importants de la carrière de Randy Orton. Regarde là, elle va arriver dans ton camp, t'inquiète. Tu sais que dans tous les cas, c'est quand même mon gars. Hein.
Non, non, c'est mon gars. Non, non, Rémi, c'est mon gars. Mais pas du tout. N'oublie pas d'où il vient. N'oublie c'est pas ton gars. N'oublie il a jamais combattu chez toi. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Bien sûr qu'il a combattu. T'as joué Jay Uso. Bien sûr qu'il a combattu. Il voit que parler Uso. Merci Bouddha Chacal pour le follow. Bienvenue les gars, n'hésitez pas à suivre la chaîne, bien sûr. Allez, Bandy. C'est mon gars, allez cette Rollins. Allez, ramène ce titre à SmackDown. Tu sais que t'es fort, que t'es grand, que t'es puissant. Ramène ce titre à SmackDown, c'est toi. Qu'il est fort cette Rollins. Allez, Randy. Le seul combattant qui vient de SmackDown, bizarrement, il est bon. Pour le coup, j'aime bien les deux. Bah, Randy, c'est mon gars, c'est mon chouchou, c'est mon amour, c'est mon père. Mais cette Rollins, j'aime bien aussi, donc ça va. Ouais. Mais il vient pas de chez toi de base, n'oublie pas. Mais il vient pas de chez toi non plus, gros. Il a juste mis une fois des chaussures dans ton vestiaire et après il est parti. Deux fois. Et de base, c'est même pas pour Jay, c'est que ton roster il me fait pitié. Donc, c'est que tu voulais juste Jay, c'était le premier à avoir dit je veux Jay, je veux Jay, je veux Jay parce que c'est mon gars, j'aime trop Jay. Moi, je veux les Usos parce que je veux les mettre ensemble, les Usos, je les adore. Non. Je pourrais faire trop de trucs. C'est que ton roster il pue la merde. Non, c'est toi l'histoire. Toi l'histoire, change pas l'histoire. Vas-y, pleure avec ton McIntyre Roman Reigns, vas-y. Je pars pas. Allez, The Rock, montre-lui. The Rock. Allez Randy, montre-lui que The Rock c'est pas toi. The Rock a beau se faire défoncer. C'est même pas ce qu'il raconte. Wana Toxic, salut Wana, comment il va? Oh le bras, le bras qui enfle le côté Seth Rollins. Encore une fois, cette fois le coup. Randy rigole pas. Randy s'il peut faire mal, il fait mal. C'est pas The Rock l'acteur américain. Là on est sur du vrai, du fight du Randy Orton. Comment il va le One Magic? Oh, attention! Il est tombé! De Seth Rollins! Sorti par Randy Orton. C'est sûr que c'est pas Tsunodo. 1, 2, 3! N'importe quoi. Aaron, 1, 2, 3, Tsunodo. Randy, un psychopathe. Aïe, aïe, ça vise le bras! Ça se venge! Aïe, encore le bras! Oh là là, magnifique, c'est magnifique! Ah, non, c'est annulé. Randy Orton qui se lève. Et ça y est, ça met un coup direct. Et ça joue, hein, ça veut faire mal aux articulations de l'un comme de l'autre. Joli combat pour l'instant, les deux qui travaillent au corps, qui cherchent à faire mal à l'autre, à le diminuer physiquement avant de lui mettre peut-être la prise fatale. Ça serait beau, deux hommes de SmackDown qui s'affrontent pour la ceinture unifiée. Ça serait beau. Un break. Seth Rollins lifting up. Oui. Ce coup de genou, non. Ok, une bonne petite droite. Ça va, c'est rien. Oh, il se réveille direct. Oh putain. Il est foutu. Ah là là, les genoux pleines têtes, mais Seth Rollins, il n'a donc pas de cœur. Vas-y, esquive-moi ça, Randy. Oui. Encore, il va se baisser. Ah non, pas du tout. Oh non, il est contré. Non. Pas mal. C'est un joli combat et les deux sont forts. Les deux sont forts et ça se voit que les deux sont compétents techniquement, tactiquement. C'est dans le script. On est sur un joli combat. Il y a de l'expérience des deux côtés. Il y a la volonté de faire le show, mais de faire mal surtout. Allez, relève-le. Attention, ça va. Oh, le coup de genou dans la tête. Qui s'est passé? Et remontez par contre, hein, le décompte là. Oh non, faites pas ça. Non, non, surtout pas. Ah si, peut-être. Au moins, The Rock gardera sa ceinture. The Rock, Randy Orton, putain. C'est que je pense à The Rock parce qu'il s'est fait défoncer. Mon bébé, il va repartir, hein, The Rock, de toute façon. À SmackDown. Contre McIntyre. Non. Je suis pas d'un mec qui se fait dérouiller par mon ancien catcher. Oh, bien joué. Non, c'est pas assez fort. C'est pas assez dur pour lui. C'est très fort, allez. Non, c'est bon, on est bien. Mais il va aller le finir ce combat. C'est Rollins, la puissance de SmackDown. Oh, le RKO qui sort de nulle part. Attention. 2. Ah. Même pas peur. C'est contré. Et là, il va s'énerver, et là, il va finir le combat.
parce qu'il le sait que c'est maintenant. Il le sait. Il le sait, son finish est mort. Oh, il est trop fort. Il est trop fort. Oh là là. Mais quel homme. Mais c'est le meilleur catcheur de tous les temps, messieurs. Mais oui, il est beaucoup trop fort. Oh, le contraire KO incroyable venu de nulle part. Oh là là. Il aurait dû faire le tomber, ça. Il aurait dû faire le tomber, c'est dommage. Ah, il est trop fort. En tout cas, il l'a bien fatigué. Non, mais peut-être qu'il savait qu'il pouvait pas l'avoir tout de suite. En tout cas, il lui a fait du mal, les gars. Il lui a fait du mal. Il lui a infligé 2 RKO. Aucun homme peut subir 3 RKO sans décéder. Le prochain sera fatal pour Seth Rollins. Et il le sait. Il a peur maintenant d'y aller, Seth Rollins. Regardez. Il a peur. Le troisième RKO. Mais c'est quoi cet homme? Non, mais tu lui as mis combien d'RKO là? Mais c'est cheaté. Mais il a combien d'RKO, gros? Il a tapé deux fois dans le match. Oh là là, excusez-moi, mais on tient le meilleur combattant de cette planète. Ah oui, monsieur. Non mais monsieur, tu triches. Tu lui as mis combien de finish là? Mais on peut pas mettre des finish, t'as cru quoi? Si, au début du combat, tu peux lui mettre des finish. Bah oui. Si. Alors vu que c'est toi qui as fait en plus la carte, donc évidemment c'est moi qui aurais mis non, des finish. Non, c'est pas moi, c'est toi. Ah, il est beaucoup trop fort. Alors, je suis un peu déçu pour Seth Rollins qui s'est juste fait défoncer. Vraiment. McIntyre. Oui. Toujours accompagné de ses trois loustiques. Alors, est-ce qu'il va encore gagner parce qu'il y aura un décompte extérieur, tout ça, c'était pas peut-être. Mais quoi qu'il arrive, ça va se fight. Et après, il y aura un dernier combat. Et ce sera un combat assez exceptionnel parce que ce sera le champion SmackDown et le champion Raw qui viennent d'avoir leur ceinture ou de la conserver qui s'affrontent pour une ceinture unifiée. Alors qu'il va pas unifier les deux ceintures, mais une ceinture qui... La ceinture des ceintures, on peut appeler ça comme ça. Faut retenir que Andy aura plus de repos que Roman. on va voir. Non, on regarde juste, Tom, parce que nous, on est juste organisateurs de nos shows. Et après, on commente, on agit avec vous, on gère un peu les combats, qui affronte qui, comment ça se passe et tout. Et voilà, et en fait, c'est notre WWE à nous. Le lundi, vous avez tout ce qui est préparation du show, et le jeudi, vous avez souvent le pay-per-view. Lundi et jeudi, deux rendez-vous à ne pas manquer, bien sûr. Suivez la chaîne, évidemment. Et sinon, vous pouvez retrouver généralement les trucs après sur YouTube que je mets en petit condensé et que je vous balance sur YouTube. Voilà, allez. Voilà, vous savez tout, messieurs. Vous savez tout. Place au show. It's time. Place au combat. Sur F1 TV, tu peux regarder les rediffs, pas besoin d'enregistrer. Ouais, mais F1 TV, tu payes. Pas envie de payer. Quoi, j'ai Canal. Putain, allez, Roman, c'est ton heure. Montre-leur que t'as besoin de personne. Ah. Wow. Et non, c'est une fois entre les... Enregistrer, ça se fait en un clic, hein, donc il y a zéro problème. C'est ce qu'il faut sur ma télé d'Orange. Allez, montre-lui la puissance, Roman. Voilà, le camion. Ah, non, il parlait en vrai, je pense, pas moi, Julien. C'est une question. Est-ce que la ceinture Caroman est la plus prestigieuse et tout le monde peut l'avoir? Ouais, c'est... oui. C'est la plus prestigieuse. C'est la plus prestigieuse, celle qu'il a actuellement. Canal aussi, tu payes même plus cher que F1 TV. Ça dépend ce que t'as comme abonnement, T-Bot. Moi, je paye à peine 24€, sauf que j'ai Canal, tous les canals, j'ai Bein Sport, donc non. La WWE de Kun et Aaron, avec les officiers que nous sommes pour créer les storylines. Exactement, Julien. Attention, ils ont fait la même. C'est l'attaque miroir. Le allez, solo qui commence. Attention que ça se retourne pas contre Roman, ça, hein, d'enlever. Sauf que T-Bot, toi, tu payes peut-être plus cher Canal, mais Canal, tu regardes d'autres choses que juste la F1. La F1 un week-end sur deux, alors que Canal, t'as quand même beaucoup plus de contenu au final. Donc je préfère largement payer Canal. Avec une promo, par contre, pas à 40 balles, on est d'accord, que F1 TV. Mais tu sais que tu me dis, ouais, ils ont toujours accepté les copains, machin, les managers, là. Ouais. Mais d'enlever les mousses dans le corner, gros, ça peut jouer contre lui. Hein, s'il fait un tombé et que l'arbitre, il décompte pas parce qu'il est. C'est vrai, mais après, écoute, ça fait partie du personnage. Allez, ouais, je m'en. C'est partie du personnage, hein. Pas rien, hein. Ah, non, ça peut se retourner contre lui, quoi. C'est ça que je dois dire, c'est pas forcément une aide. Non mais Canal, il y a du foot, il y a du film, il y a tout, quoi. Jouer sans Roman. Pour l'instant, Drew qui ne voit pas le jour et qui fait face à la puissance du Tribal Chief. Et en plus, je crois que j'ai les codes de Willy sur F1 TV, cela dit. Regardez-moi ça, qui soulève Drew McIntyre comme ça par Roman Reigns? Personne. Non, mais il y en a vraiment, ils préfèrent regarder sur F1 TV que sur Canal. Parce que Canal avec Montagny et tout, c'est carrément mieux que sur F1 TV.
en soi. Oh oui, c'est l'heure. Ouais, vas-y, on va se concentrer sur Roman, excusez-moi. C'est l'heure du Superman. Ça commence déjà. Ça commence déjà à allumer McIntyre. Ça va, mon Wana, et toi? Simplement deux, mais le 3, il est déjà pas loin. Ah, excuse-moi. Oh là là. Excuse-moi, Jean. Oh. Ah non, j'ai cru qu'il allait faire son finish. Je t'envoie ça, Ujin. Pour l'instant, c'est une démonstration, donc il ne voit pas le joueur encore une fois. Pour l'instant, je dois l'admettre. Il n'a toujours pas mis un seul coup. Toujours pas mis une seule prise et le spear. Attends, déjà. Il va déjà le finir pour de vrai. Oh, le boss YouTube, il vient de se passer un truc assez ouf. On avait prévu Randy Orton, Roman Reigns pour la ceinture des Championships. Voilà, ouais, c'est la belle, celle qu'on a repris des années précédentes. Sauf que l'IA avec Bobby Lashley, et qu'est-ce qu'il fout sur le côté d'ailleurs Bobby, on dirait qu'il est bugué. L'IA avec Bobby a décidé de l'envoyer au casse-pipe avec un cash-in de sa mallette de Money in the Bank, ce qui veut dire qu'on sera pas en 1 contre 1, mais avec un triple menace. Imagine c'est bugué là, il y a un 1v1 et en fait il arrive après genre. Et c'est juste qu'on a vu son entrée. Et ça, ah, je sais pas. Mais il le montre pas en plus depuis tout à l'heure, regarde. Parce que là, on le voit pas. Mais merde, il est là. Mais qu'est-ce qu'il veut là ? Bah, directement Roman Reigns ! Enculé ! Donc, du coup, on a Bobby qui vient de s'incruster dans le délire. Oh, mais c'est un 2v1, c'est un match en handicap ! Oh, les enculés ! Oh, les enculés ! Mais il tape pas. T'as Randy là, qu'est-ce que tu fais ? Eh ? Il tape que Roman. C'est un match en handicap là ? Attends, c'est bizarre. Mais ouais, tu m'as fait là ! Arrête, je n'ai rien fait! Mais tapez-vous là, qu'est-ce qu'il fait? Il vise même pas Randy, regarde, il regarde même pas Randy! Mais pas d'enculé! Enculé! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais t'es en train de me niquer là! Je n'ai rien fait! Mais t'as Randy, qu'est-ce qu'il fout lui? Non, c'est un handicap, bro, c'est un handicap! C'est vrai qu'on l'a pas vu cash-in. Donc en fait, c'est que Bobby il croit qu'il affronte Roman et Randy il affronte Roman. C'est ça en fait, je crois. En fait, c'est bugué de fou et les deux affrontent Roman. Alors là, écoute-moi bien. Si Roman y gagne en 2v1. Non, mais vas-y, j'ai trop le seum là par contre. Là, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. C'est quoi ce 2v1 de merde là? Mais je me fais douiller de ouf. Aïe. Bah écoute, s'il perd Roman, de toute façon il y aura d'autres opportunités. Attends, non, parce que c'est y a de la douille, gros, c'est pire que le bug de tout à l'heure là. Attends, parce que Mama il a encore un truc, hein, Mama. Lui à tout moment il peut faire affronter les champions. Hein. Oh, c'est le bordel. Bon, 2v1, je me fais foutre douiller. Non, j'ai rien modifié, les gars. On a rien modifié. Je vous jure, c'est un bug. C'est le jeu qui a décidé tout seul. Hein. C'est impossible, on a absolument rien modifié. Alors que, à moins. Mais non, on a jamais mis Bobby Lashley, les gars. Même dans la présentation avant, il y avait pas Bobby. Vas-y, faut que des prises à deux, bande de. Vas-y, KATIN. Roman n'est pas en 2v1, il y a solo et Jimmy. Non, c'est trop bizarre. Mais rien du tout, il est seul là. Ah, mais ça, c'est rien, ça, Pompavella. C'est un mélange là, on a tout mélangé parce que c'est la ceinture, une nouvelle ceinture qu'on a mis. My tribal chief. C'est trop bizarre. Ça, par contre, il gagne là, c'est chapeau. Mais au moins, ça le met un peu en difficulté, Roman. Non, mais c'est abusé. Non, mais là, c'est abusé. Non, mais là, c'est même plus en difficulté. Mais toi, ça t'arrange, enculé, non, forcément. Non. C'est même pas. Non, Pompavella. Là, on est sur la ceinture de. On est sur la ceinture de une autre ceinture. Y a ça t'arrange forcément, toi. Tu t'en fous. Bah, ça m'arrange, oui et non, parce que je t'avoue que je voulais bien voir un petit Roman Randy là. Mais vas-y, là, tu fais le beau là. Non, c'est pas possible, les gars. Là, la ceinture, c'est pas celle de Roman hein, qui est dans le truc. Hein. Et il avait pas sa mallette, Bobby. Donc, à mon avis, c'est un match handicap. Il y a juste eu un bug où ils ont mis Bobby dedans, quoi. Ah ouais, peut-être, tu crois? Ah ouais. Ouais, il y a peut-être eu un bug avec un choix bizarre là. Comment on peut détester Roman quand il se fait piéger comme ça hein? Comment on peut le détester, franchement? Bon, façon, il accepte le 2v1 alors qu'il avait rien demandé. Aaron a dit un truc tout à l'heure très juste, il a dit. C'est le jeu qui j'ai mis. Non mais là, c'était bah un bug. Ouais, mais. Non mais Aaron, dis-toi que c'est pas sa ceinture qui perd dans tous les cas là. Donc ça va. C'est la ceinture. Si, il la mérite. Bah non, pour l'instant non. Alors que là, il va se faire douiller, on a un 2 qui va l'avoir. Mais il va forcément réaffronter ce mec là plus tard. Il va être champion de ton truc 20 ans. Par contre, attends, parce que à tout moment, il met KO un gars, il met un.
Par contre, je te jure que si Gagne ne devient en gros, il la garde à tout jamais. Non, non, ça il la garde pas, à ça. Tout jamais. Ça si, pas, si, il la garde à tout jamais, je m'en bats les couilles. Mais j'avoue, je m'en bats les couilles, on revient à une nouvelle ceinture. J'avoue que ce sera un moment fort du stream s'il gagne en 2v1, je dois l'avouer, je dois l'avouer. Et il aura un peu mon respect pendant quelques temps. Il a voulu prendre une. Mais en... ouais, mais il compte les deux, l'arbitre, donc en vrai, les deux sont dedans, hein, mais. Ah, ça a fait un match handicap, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'il veut, Randy ? Ferme-le, Randy ! Oh là là, tape-le ! Ça, par contre, si Roland allez, gagne. Allez, allez ! Non, c'est pas possible, là. Il a pas assez. Il est pas chaud. Non, mais c'est tout, j'en reviens pas. J'avoue. Oh, le GM de Rome, mais c'était vraiment une salope. Mais j'ai rien fait ! Là, c'est Bobby qui a décidé d'y aller, quoi. Il veut juste. J'y suis pour rien, hein. Non mais match handicap, encore un triple sweat, j'aurais rien dit. Mais un match handicap, les deux se tapent même pas les mecs. J'avoue. Après Bobby et Randy, ils s'aiment bien. Oh, oh là là, mais qu'il est fort. Bon, tu vois, même si regardez-le, il défonce. Oh, ça aurait été une démonstration. Ça aurait été une démonstration contre Randy Orton. Hein. Putain. Ah, mais là, voilà, il va taper de dos, bah voilà. Si Gagne, je vais en entendre parler 20 ans. Regarde, non, il va même pas, Bobby. Ah oui, c'est un match. Ah, pas comme c'est un match handicap du coup. Ah non, mais oui, mais il y avait la mousse. Coin, mais non, il y avait la mousse. Bah, il... Pourquoi toi? Allez. Oh, si tu le fais, Roman, mais. Oh là là, là là, si tu le fais, Roman, mais je sais même pas ce que je fais. Bah, tu lui fais la mousse sur moi. Ou alors, un petit décompte à l'extérieur et. Bah non, personne aurait la ceinture. C'est vrai. Non mais vas-y, non. Déjà, pourquoi il est pas dans le coin? Je sais pas, non mais ça fait. En fait, ça fait comme un match handicap, mais c'est pas un match handicap, c'est juste que ça a bugué. Si, c'est un match handicap là. Oui, mais en soi, dans les règles, je sais pas si ça a été pris, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça fait du 2v1 au final. Là, c'est clairement un match handicap. 2v1, ah oui. Y a pas de. Bobby et Randy, ils se tapent pas du tout. Oh là là, oh le spear. Bien spear. Oh non, mais il y a Bobby. Attends, il va peut-être pas interférer dans le. Ah bah si, là il vient enculé, va. Ah là il vient enculé, va. Putain, hé. Il se donne, hein. Il se donne. Mais là, je crois pas, gros. 2v1, c'est impossible. Il se donne, 2v1, c'est impossible. Je vois pas comment il peut gagner. Il va se prendre un finish, il va encore se reprendre un de l'op. Mais pour l'histoire, c'est très drôle. Pour l'histoire, c'est très bon. Parce que du coup, vu que personne voulait que Roman ait la double ceinture, parce qu'il serait très dur à aller chercher, ils ont décidé d'en envoyer deux. On va dire que dans l'histoire, Bobby a cash-in et ils ont décidé de s'allier pour battre Roman, peu importe qui avait la ceinture. Voilà, c'est l'histoire qu'on a décidé. Écoute, ça crée une histoire. Bah oui, ça t'arrange, bah oui, ça t'arrange. Forcément que ça crée une histoire. Non, mais je sais très bien qu'on va se réaffronter avec Roman dans tous les cas. Il va être champion 20 ans chez toi là-bas, là. Donc dans tous les cas, on sait très bien que un jour, il y aura un V1 avec lui. Bah oui, enculé, moi. C'est beau. J'espère qu'il en est content, j'espère vraiment qu'il en est content. Ah oui, c'est beau, mais arrête de dire ça, c'est pas beau, c'est pas beau du tout. Non, mais pour l'histoire, c'est magnifique, je trouve ça magnifique. Franchement, what a story. Regarde-le, là, qui va sauter, là, culé, ramène ici. Sans les blâmes. Oui, c'est raté, le coup. Bouffon. What a story, guys. Roman, il est focus sur Randy, là. Non, des fois, il se tape avec Bobby, mais pas souvent. Ah, Roman qui se dit, mais putain, tant d'années à la WWE pour qu'on me respecte pas comme ça. C'est trop sombre. Bien joué. Il l'a contré, celle-là. Roman, tu peux le faire, t'es le meilleur. Oh. Ouais, je vois pas, il peut pas gagner. Non, mais s'il gagne, c'est incroyable par contre. Et je vois pas comment il pourrait gagner ce combat-là, c'est impossible. Ce qui serait drôle, c'est qu'ayant bugué, le jeu ne considère pas les dégâts que de Randy et pas de lâcher. Je pense pas, parce que là, on l'a vu quand même pas mal de fois par terre en train de souffrir avec les. Bah, tu me dirais, c'est peut-être l'animation, mais je pense pas en vrai. Ça me fait mal de le voir comme ça. L'histoire, c'est que Orton et Lashley sont alliés pour que ce soit Reigns qui se fasse ken pour une fois. C'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Oh non, il va se prendre le finish. Roman contre, s'il te plaît. Ah, il y a l'arbitre au milieu, par contre. Il a pas pu le faire. Il a pas contré. Oh oui. On est d'accord que l'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est ça. Ça donne une belle histoire. Oh, ça donne une rivalité. Regarde-les deux le regardent.
Ils s'en foutent qu'il sera champion, mais quoi qu'ils veulent, quoi qu'il. En tout cas, ce qu'ils veulent, c'est que un des deux l'est. Par contre, Bobby, laisse-la Randy si besoin, s'il te plaît. Parce que si c'est Bobby qui l'a, alors que les deux sont en team, ça me ferait un peu chier. Ah, allez, Roman. Tu peux le faire, Roman, je sais que t'es le meilleur, tu peux le faire. Regarde, regarde, c'est trop bien avec Bobby qui regarde comme ça. Roman, t'es meilleur que, je te jure, t'es meilleur que tu peux le faire. T'es meilleur que Roman, allez. Non, non, allez, non, Roman. Non. Oui, Roman, it's time for Roman Reigns. Ah non, il est déjà remis l'autre. Ah non, c'est bon. Allez. Ah, mais il a pas pris ses dégâts, il a pas pris ses dégâts, ouais. Ouais, il est de retour, Andy. Oh non, s'il le fait, mais s'il le fait, mais s'il... C'est pourquoi le RKO, c'est pourquoi le faire. C'est pourquoi le RKO de la vipère. C'est peut-être là, il a l'air fatigué, Roman. Je vois pas comment c'est possible, je vois pas comment c'est possible. Non, c'est pas... Et bien, il faudra un concours de circonstances. Il arrive à mettre KO une fois, l'autre il roule dehors, et puis il remet un spear ou quoi, ou un gars qui a beaucoup de dégâts à un moment donné. Mais ouais. Bobby, il y a Drandy là. Vas-y, spear Bobby là, spear Bobby. Non. Il saigne. On l'a pas vu, il y a du sang. Allez, roule dehors, t'as bien raison. Allez, décompte. Dès qu'on t'a dit ça, allez, dès qu'on Randy, t'a dit. Qu'est-ce que tu fais, Randy? Qu'est-ce qu'il fait, mais enculé. Oh, j'aurais bien aimé que ça bug et ça fasse sur Bobby. J'avoue. Oh, mon Tribal Chief. Aïe, aïe, aïe. Non, ramenez-le. Pourquoi ils t'ont fait ça? Comment leur pardonner? Comment leur pardonner, Roman? Reste allongé. En vrai, c'est stylé, regarde, ils sont posés. Ils sont là tous les deux, ils ont défoncé Roman. Mais c'est stylé de quoi? Mais arrête non, de dire bah, ça, c'est pas bah stylé. Si, parce que pour l'histoire, là, et là, t'as ça en vrai à ce, dans un pay-per-view, là, les gens ils kiffent. Là. Et par contre, s'ils gagnent, ce serait vraiment genre. Ce serait vraiment scripté, scénarisé. Genre, tu vois, les deux veulent Roman, le défoncer, allongé, mais ils gagnent quand même. Reste allongé, Roman, reste allongé. C'est la meilleure chose pour toi, Roman. Ah, reste allongé. Oh, mais quel combattant, mais on peut rien lui dire. Oh oui, charge-le, le point, charge-le. Il s'énerve. Va leur faire mal, Roman. Vas-y, sors tout ce que tu veux. Il y a plus mais de règles. Il peut pas. Non, mais... rules. Ah, il a voulu, et puis il a dit, oh merde, je peux pas, en fait. No rules, Roman, no rules. Il n'y a pas de règles pour eux. Attends, parce que là, faut qu'il remonte là. RKO, là, j'ai peur. Ouais, c'est ce que je m'attendais au RKO, mais toujours pas. Il lui fait mal là, il lui fait mal. Roman, il est en train de souffrir. Il ressort dehors, oh, il veut pas être décompté à l'intérieur. Vous êtes vraiment des bâtards. Ah, il n'arrive plus à contrer. C'est contré. Ah, si. Oh putain, je vais chier. Oh, les deux ont fait n'importe. Merci Naël, Pierre-Main. Roman, je sais que t'es capable, ça va être dur, mais je sais que t'es capable. Oh non, c'est impossible, je vois pas comment tu peux le faire. Je vois pas comment tu peux le faire, Roman. Non, pas Bobby. Et là, il met le RKO. C'est à lui. C'est à Randy. Non, mais qu'est-ce qu'il est puissant, qu'est-ce qu'il est fort. Mais c'est qu'aucun des deux aura le titre là, hein. Tu veux qu'il le départage. Oh, mais qu'est-ce qu'il est fort. Allez, Roman. Qu'est-ce que t'es fort. Oui. Vas-y, donne-le à Randy. L'arbitre. Deux. Non. Oh, qu'il est fort. Qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est beau, qu'il est grand. Ah là là. Ah là là, quel SummerSlam, messieurs. On s'en rappellera. Il mériterait le meilleur. Alors qu'il a déjà un combat dans les pattes. Il a déjà un combat dans les pattes, il se retrouve en match handicap. Comment on peut avoir de la haine encore contre lui? Vous êtes vraiment des merdes, vous n'avez pas de cœur. Ah là là, SummerSlam 2024, souvenez-vous-en. Tu mens où? C'est une merde. Attends, parce qu'il s'arrange, il peut encore gagner. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il peut encore gagner. Il se fait défoncer. Ah non, il s'est renvoyé, Bobby. Je crois qu'il se faisait défoncer par les Usos. Non, non, mais ça bug du coup, là. Pas à la droite. La souffrance pour Aaron et son GM. Arrêtez, bande de putes. C'est trop grave. Faites du 1v1. Si ça finit comme ça, c'est somptueux. 1, 2, 4. Oh, il est trop fort. Pour l'image, ça aurait été trop beau que ça se termine comme ça. I love you, Roman Reigns. I love you, my Tribal Chief. Ça aurait été incroyable que ça se termine comme ça. Défonce-les. Allez, Roman. Contre. Non, il a été contré. Il allait faire le RKO. Il allait faire le RKO après l'envoyer dans les cordes. Non.
Ah, oh, c'est dur là. Je commence limite à avoir un peu de peine pour Roman. Contre-moi ça, non. J'ai limite un peu de peine pour lui. Mais pourquoi? Ah, il résiste, le bâtard. Contre. Là, les gars, Randy est vraiment devenu le Randy méchant. Randy méchant, il sait plus quoi faire. Non, contre. Oh, oui. Oh, putain. Oh, mais t'es trop fort, putain, mais t'es trop fort. Oui. Oh, il ramène les deux. Ah, non, mais les uns. Aïe, un poteau. Le poteau. Oh merde, c'est maintenant Bobby qui va lui sauter dessus. Mais Bobby, il en profite tellement, cette pute. Ah, putain. Oh, il a mal partout, Roman. Il a mal partout. Ah, Randy. Non. Arrêtez. Il a été contré encore. Bien joué, Roman. Putain. Il oui. Allez. Ah là là, il a un peu d'espoir, peut-être, Roman. Aïe. C'est dur. Ah, mais il a plus d'énergie, là. Il donne tout ce qu'il peut, mais c'est son deuxième combat de la soirée. Comment voulez-vous qu'il gagne? C'est impossible. Là, il veut le faire revenir. Ils veulent le finir sur le ring. Oh oui, t'as plus le choix de disqualifier, vas-y. Aïe, attention, attention. Oh, mais là, c'est... Oh, bah là, c'est son coup spécial. C'est mort, là. C'est mort, là. Allez! Aïe, est-ce qu'il va finir là-dessus? Bobby! Ah non, je croyais que c'est lui qui allait finir ce bâtard! Que Bobby allait en profiter. Il enchaîne avec son power. Bon, alors là, si c'est pas fini. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, roulons dehors, merci. Il y a du temps. Ouais, non, mais en fait, en vrai de vrai, ils veulent juste défoncer Roman Reigns là. C'est trop grave ce qui se passe. Là, ils sont juste dans l'idée de l'éteindre. Le jeu a pris possession. C'est l'IA elle-même qui a dit Roman Reigns, on en a ras le bol. Franchement, c'est carrément les IA. Mais il a rien fait, tout ce qu'il fait c'est dans les règles. Les IA sont vivantes, messieurs. Tout ce qu'il fait c'est dans les règles. Les IA pensent par elles-mêmes. Oh oui, mais putain, mais qu'est-ce que c'est? Elle remonte sur le ring, défonce tout vite, putain. Merde de merde. Salut mon Natsu. Défonce tout vite, paire de merde. Ah, les contre, ouais, mais non, mais comment tu dis contre? Il s'est fait tabasser pendant 8 heures. Là, il est cuit. Oh, ça va finir là-dessus. Là, c'est fini. Même sur un vieux truc comme ça, il peut arrêter. Là. Oh là là. Ils arrivent pas. Oh oui! Allez, tourne encore dans les pattes. Oh, peut-être qu'il est gêné. Ah bah non, bande de pute. Oh, ça m'énerve. Oh, c'est trop frustrant. Oh oui, bien joué, le Marca, voilà, merde. Vas-y. Imagine, il fait le décompte. Allez, Roman, sur un genre de. Respire. Oh non. Ah, il aurait pu tenter un truc, hein. Oh, contre dommage. Putain. Ah, il s'est pris un coup. Ouais, super. Ouais, super, il a pris un coup. Attention, parce que peut-être qu'ils peuvent changer du coup et puis être copains. Qu'est-ce qu'il fait? Il se gratte la tête. Eh, mais arrêtez! Faites votre coup là, chacun, putain, bande de débiles. C'est vrai que les trois potes ils interviennent pas, ouais. À l'extérieur, ils pourraient faire un truc. Non mais il manquait plus que ça, un échange de coups alors qu'il en peut plus. Il est costaud, Roman, on peut pas lui enlever ça. On peut pas lui enlever qu'il est costaud. Ah, il allait faire l'RKO. Oh merci. Oh non. Non mais là je suis sûr que ça lui a pas compté. Oh oui. Oh non mais là ça lui a pas compté, c'est ça le problème. Ah, il allait encore le faire. Oh là, mais c'est une boucherie. Oh non mais c'est abusé. Mais non mais laisse-le. Oui. Messieurs, la boucherie est terminée. Ça marche pas? Ah, tout ça pour ça. Oh, chais. Chais. Non. Ah, le jeu qui a décidé, y'a rien qui est mis en jeu, voilà. Oh là. Non. C'était un combat dans le vide. Oh non. C'était juste un massacre. Oh, c'était un massacre.